coucou mes amis Capricorne. Eh bien, on est parti pour le sentimental. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Lima, si vous n'avez pas vu la générale. Donc, je fais votre sentimental. Et la thématique du mois qui est sortie donc à la générale, c'était le chariot. Donc, triomphe, réussite, succès surtout. Et en plus, avec assez de rapidité, d'accord? Voilà, j'ai tiré les énergies du mois, enfin j'ai les énergies du mois de mars, hein, pour gagner un peu de temps, ami Capricorne. Donc, avec la carte de chakra cœur, on me dit, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, d'accord? Alors, ça, donc, il y a 10 jours, ça peut être 10 jours avant, 10 jours après. Hein, une fois que, voilà, quand vous aurez vu la vidéo, il y a peut-être 10 jours, vous n'étiez pas prête. Mais vous attendez quand même votre âme sœur. Hein. Et votre âme sœur, elle arrive d'ici 3 mois. D'accord? Ça va être pour vous une très, très grosse surprise parce qu'en plus, vous allez recevoir des signes. D'accord? Donc, très, très beau message. Hein. Même si certains Capricornes ne sont pas prêts à l'amour, on me dit que votre âme sœur, ou flamme jumelle, hein, peu importe, sera avec vous d'ici 3 mois. D'accord? On me dit aussi de vous connecter à Gaïa pour être plus, plus aligné, plus ancré, plus. Et les chakras bien centrés. Donc, on vous dit, connecte-toi à Gaïa. D'accord? Allez dans la nature, embrassez les arbres, faites-leur des câlins. Voilà. Roulez-vous dans l'herbe. Bon, là, période hivernale, c'est peut-être pas top. Mais bon, voyez comment. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que si vous vous ancrez à Gaïa, vous allez être prête à recevoir votre âme sœur. D'accord? Mais là, bon. Et on me dit effectivement que tous vos vœux, vos prières seront exaucés. Exaucés, deux, trois. Voilà. Vous allez pouvoir. Oui, vous allez peut-être, une fois que vous aurez fait votre purification auprès de Gaïa, vous allez peut-être aller mettre une pièce dans un puits à vœux. Je ne sais pas. On vous dit aussi, purifiez-vous, hein, l'eau est salvatrice, d'accord? Prenez des bains, prenez des douches, prenez des bains d'eau salée, enfin avec du sel. Prenez des douches, prenez. Voilà, l'eau, elle est salvatrice. Donc, peut-être avez-vous besoin de vous purifier, mes amis Capricorne, hein, me dit-on là. Hein. Voilà, donc, on me dit bien que si vous faites un vœu, il sera exaucé. Voilà ce que j'avais pour vous. Mais n'oubliez pas que votre âme sœur n'est pas loin, même si vous n'êtes pas prêt. Parce qu'avec le chariot, on a quand même le succès. D'accord? Allez, on y va avec l'améthyste Love qui est tout en dessous. Et évidemment, j'ai pas mis les cartes dans le bon sens. C'est pas grave, je vous fais partager ma vie. Allez, l'améthyste Love. Pour les amis de Capricorne. Capricorne. Mars 2023, Capricorne, mars 2023. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter ce que on me disait. Mes guides me parlent en ce moment-là et j'écoutais. Ça n'avait rien à voir avec le jeu, évidemment.
Regarde déjà, je vous parle de mes guides, ils sortent. Vous voyez, donc je raconte pas des bêtises. Et voilà, il me disait, tu n'as pas que ça à faire, Valérie. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai eu un blanc. Si j'ai marqué un temps d'arrêt sur la vidéo, c'est voilà, c'est parce que mes guides me parlaient. Hein. Allez. Donc, pour les Capricornes, mars 2023. Ouais. Vous êtes en pleine élévation, mes amis Capricornes, hein, de toute manière. Donc, même si vous n'étiez pas prêt il y a 10 jours, vous allez être prêt bientôt à recevoir la personne de votre cœur. Hein. Ouais, vous avez patienté, vous avez patienté, tranquillou, tranquillou. No stress. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, quel est le message qu'il doit recevoir? Allez, mes guides. Alors, on me dit, oh, regardez, il y en a deux qui sortent, hein. On me dit, ça bouge, mais ça va bouger, hein, là. Et il y a un happy end. Donc, bah, écoutez, moi, j'invente rien, c'est le jeu. Voilà, vous êtes bien, voilà, vous allez bien vous aligner avec Gaïa. Donc, super. En plus, c'est cohérent avec le général où vous aviez en carte énergie. Ben, vous aviez hein, la cohérence, ami Capricorne. Donc, alignez-vous, quoi. Et voilà. Alors, vous n'étiez peut-être pas prête et peut-être pas très alignée parce que vous étiez dans une triangulaire. D'accord? Donc, là, vous allez en sortir parce que ça bouge. Il y a un happy end et vous êtes très aligné. Hein. Donc, ouais. Et cette situation, vous l'avez maintenue secrète. Hein. Mais il y a un amour véritable qui vient à vous. Ok, vous allez pouvoir construire une famille. Vous êtes en pleine guérison. Et bah, ce n'est pas du tout éphémère. Hein. Ça, c'est éphémère. Ça, parce que ça, une triangulaire, on ne construit pas une famille avec une triangulaire. D'accord? Et c'est éphémère. Ça ne dure qu'un temps. Donc vous avez patienté. Voilà, on me dit bien que vous avez patienté. On me parle bien de la polarité masculine, hein, le consultant, mais ça peut être aussi la féminine. Hein, voilà, qui va guérir son petit cœur blessé, parce que bah, ça, voilà, ça ne dure qu'un temps, hein, cette ligne-là. Donc on vous dit bien que là vous êtes en guérison et ça bouge. Et même, c'était une situation négative. Ça vous rendait négatif. D'accord? Parce que tu n'es pas prêt, on est tous prêts. Voilà, on est tous prêts à recevoir l'amour. On est tous prêts à accepter l'amour. Donc, cette situation-là, c'est une situation qui vous rendait négatif. Hein, parce que vous, quand vous aimez profondément. Donc, vous avez lâché prise. Et là, vous voulez vous stabiliser. Ça, c'est clair. Voilà, mes amis, Capricorne, ce que j'avais pour vous. C'est un très, très beau message que je viens de recevoir et qui est cohérent avec les cartes énergie. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. D'accord? Mais mes guides, voilà, mes guides étaient bien là pour me souffler ce qu'il fallait. Allez, avec mademoiselle Lenormand. Qu'avons-nous pour les Capricornes, s'il vous plaît? Mars 2023. Capricorne, mars 2023. Capricorne, mars 2023. Capricorne, mars 2023. Alors. Alors.
Allez, Mickey, quel message pour les Capricornes? S'il vous plaît, merci. Alors, on me dit que vous étudiez toute proposition, toute voilà, situation. Voilà. Donc, double protection avec le chiffre 44. Donc, c'est là, c'est une. Voilà, vous avez une très très grande protection sur vous. D'accord? C'est un maître nombre. Vous pouvez aller le voir sur Internet ou sur YouTube, et peu importe. Mais. Quand on a ce chiffre-là qui sort, ben on est bien. On est bien. Voilà, on a une personne, donc peut-être vous, hein, qui est dans l'attente de pouvoir vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un, même si vous n'êtes pas prêt, vous voyez, vous attendez quelqu'un. Parce que ben, vous avez, là encore, on a le chiffre 33. Donc, vous avez des maîtres nombres, hein, mes amis Capricorne. Vous avez la clé qui ouvre tous les cœurs. Hein. Donc, ne vous arrêtez pas. Hein. Et ça va être très rapide. Hein. Et ça va être très rapide. On me dit bien que à la prochaine lunaison, là, vous allez, il va y avoir un nouveau départ. Hein. D'accord? Les nuages vont s'éclaircir. Et vos voeux vont se réaliser. Vous voyez, là encore, on me parle du puits, le puits au souhait. Hein. Donc, allez-y. Hein. Si vous avez un puits à souhait près de chez vous, mettez toutes les pièces possibles et inimaginables. Je me souviens, c'était aux eaux de la Palmyre. Parce que comme je suis donc en Charente-Maritime, je vous raconte ça, mais vous n'en avez peut-être rien à faire. C'est aux eaux de la Palmyre, on a le bassin des crocodiles, et on m'avait dit lance des pièces et fais un vœu dans le bassin du crocodile. C'est ce que j'ai fait. 2 jours après, j'avais mon vœu qui était exaucé. Donc ça marche, hein. Faites des vœux, ça marche, hein. Regardez la fontaine de Trévis, hein. Ça marche. Voilà, bon, bah, après cette petite aparté, donc vos vœux se réalisent, d'accord. Mais il y a des choses qui vous stressent, hein. Malgré que les nuages s'éclaircissent, malgré que vous soyez sur un nouveau départ, vous avez du stress. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas suffisamment ancré. Voilà, vous n'êtes pas suffisamment aligné à Gaïa. Voilà, mais vous êtes fidèle quand même. Vous êtes fidèle à votre conviction, et il va y avoir beaucoup de communication, hein. Quand vous allez rencontrer votre âme sœur, ça va être quelque chose de... Ouais, parce que vous avez la force, hein, vous avez la force d'un ours. Hein. Vous avez la force d'un ours et l'abondance de donner de l'amour. Donc, écoutez, moi, c'est clair. Hein, vous avez l'amour qui arrive dans votre vie. Hein. Et on me dit bien que si vous vous ancrez, on me parle encore, hein, de l'arbre. Et l'arbre, il est là encore une fois. Hein. Donc, ancrez-vous, mes amis, ancrez-vous là... Mes amis Capricorne, je vous dis, allez vous prendre en forêt, embrassez des arbres, faites-leur des câlins, mais voilà. Et vous êtes quelqu'un de solide, hein. Donc l'amour, elle arrive à vous, mais si vous êtes bien aligné, si vous êtes bien dans vos baskets, d'accord? Voilà, vous voyez, on a le succès, on a la sérénité, le succès, voilà, la stabilité. Donc, et là, vous êtes en pleine renaissance. Donc, mes amis Capricorne, là, vous vous réveillez de votre situation. Voilà. Pardon, je suis allée boire parce que j'étais en train de m'étrangler. Bon, ben voilà, donc si le message vous a parlé, ben écoutez, merci de me laisser un petit commentaire. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bon, ben après, je pense que j'ai été assez clair et assez dans mes explications. Allez, pour les amis Capricorne, mars 2023. J'en suis à 14 minutes.
mars 2023 pour les Capricornes. Allez. Allez, pour les Capricornes, mars 2023. Quel message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, ben oui, vous coupez avec votre solitude, vous coupez, parce qu'il y a une nouvelle harmonie qui arrive à vous, d'accord? Quelque chose qui va vous rééquilibrer, et là on a le chiffre 22, les nouveaux projets, il va y avoir de la magie dans l'air. Voilà, ouais. Même si vous avez connu la peine de la solitude, vous coupez avec tout ça, d'accord? Il y a un regain de vitalité qui vient, de l'engagement. Ça va être une chance pour vous et un grand amour. Alors, écoutez, là, franchement, si vous faites bien les choses, mes amis... Capricorne, hein, parce que quand même, on a quand même le triomphe, le succès avec le chariot. Si vous faites bien les choses, vous devriez y arriver. Hein. On me dit bien que votre solitude, elle est coupée. D'accord? Donc, il n'y a plus de solitude, voilà. Vous allez pouvoir vous recommuniquer, réouvrir votre cœur, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous. Voilà, bah, avec beaucoup de tendresse, vous vous libérez de, voilà, d'un poids. Et ça va être sincère. Il y a un grand bonheur. Voilà. La fidélité. Il n'y aura plus de prise de tête ou quoi qu'est-ce. On vous donne la permission. Bon, bah écoutez, je ne peux pas dire mieux. Hein. Là, tout est écrit. Hein. Allez, mes amis Capricorne, faites bien les choses et tout va aller dans l'ordre. En plus, c'est votre âme sœur, flamme jumelle. Hein, donc... vous n'allez pas pouvoir la rater, hein, celle-ci, hein, ou celui-là. Allez. Allez, pour les Capricornes, mars 2023. Mars 2023. Alors, eh ben on me parle. Alors là, on me parle depuis le puits de l'oubli. Hein. Donc tout ce qui vient du passé, vous le mettez dans le puits de l'oubli. Faites pas des vœux avec. Hein. Là, on me dit que votre chakra sacré, ben, il demande qu'à qu'à créer, voilà, d'accord. Et pour vous, l'ancrage, encore l'ancrage, c'est une évidence. Hein. Alors, ancrez-vous, mes amis, ancrez-vous. on me l'a dit, hein, sur tous les fronts. Hein. On me dit bien que vous allez passer à l'action, là. Qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils me font? Voilà. Et on a quand même... il va y avoir un événement... Il y a un événement proche qui arrive parce qu'il y a l'être aimé qui est là. Hein. Donc, effectivement, l'être aimé n'est pas loin. Hein. D'accord? Allez. Ouais. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres, hein, mes amis. Hein. Et on me reparle d'un événement. Hein. Donc, c'est top. Vous allez vraiment vous reprendre en main, mes amis Capricorne, au mois de mars 2023. Allez, mes guides, mars 2023 pour les Capricornes. Allez, quel message pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci.
Voilà, oui, vous avez connu, vous êtes en période de stagnation, bah oui, parce que vous n'êtes pas prêt, donc évidemment. Mais vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Il va y avoir des retombées positives, parce qu'il y a un amour durable qui arrive. Donc voilà, moi je m'arrête là, d'accord? Dans le mois en cours, il va y avoir de l'abondance d'amour, hein. Il y a une paix intérieure. Même si vous êtes dans le doute, vous prenez votre envol. Donc, allez-y, hein. Parce que bah, vous vous aimez, mais vous allez aimer l'autre aussi. OK? Il n'y a pas de problème. Mais là, bah, évidemment, ça va faire des jaloux, hein. Ça va faire des jaloux, mais votre enfant intérieur est heureux. Le changement imminent, il arrive et vous acceptez ce changement parce que vous passez à l'action. Vous mettez tout votre passé derrière vous, ami Capricorne, et c'est un véritable succès. Hein, vous allez vraiment vous réconcilier avec l'amour. Ça va être une réussite. Hein. Une fois que vous aurez remis votre chakra sacré en création, là, ça va être une vraie réussite. Hein. Bon, bah écoutez, hein, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. Donc, ancrez-vous. Soyez prêts parce que votre âme sœur, elle arrive. D'accord? Et ça va être très rapide avec le chariot. Ça va être un véritable succès. Voilà. Donc, si la lecture vous a parlé, ben, merci de mettre un petit commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je remercie l'univers de son soutien. Et moi, je vous remercie de votre soutien, de votre présence. Voilà. Merci beaucoup à vous et très bonne fin de journée. À très bientôt.